Nous avons eu le bonheur d'entendre la chorale C de Brazzaville. Et après ça, nous pouvons continuer. Docteur, vous pouvez continuer votre exposé. Je pense que nous sommes à la conclusion. Je ne saurais donc terminer l'intégralité de ce texte compte tenu du temps. Je lirai tout simplement quelques passages importants, ensuite je conclurai. Je disais donc que nul n'est prophète chez soi, dit un adage populaire. Mais le prophète, le vrai, lorsqu'il paraît, transmet des données vitales qui deviennent incontournables. En quoi consiste alors la doctrine de Papa Simon Kimbangu sur le développement intégral de l'homme? Il consiste au respect rigoureux de la loi, de Dieu. Seul capable de rétablir l'alliance rompue pour cause de péché entre l'homme et son créateur. Pour Papa Simon Kimbangu, le vrai développement n'émane que de Dieu. Tout progrès qui ne s'inscrit pas dans cette logique est illusoire. C'est pourquoi d'ailleurs l'Africain vit et patauge dans une dépendance totale, incapable de créer quoi que ce soit qui puisse générer en son sein un développement endogène de nature à forcer le respect et la considération. Papa Simon Kimbangu entend dire par là que tant que l'Africain, l'homme noir, n'aura pas produit une science autonome et spécifique, il n'assurera et n'assumera jamais son développement. Tous les schémas tracés ailleurs ne concourent qu'à son asservissement économique, social et culturel. C'est pourquoi nous nous félicitons de la découverte inspirée par Papa Simon Kimbangu lui-même, qui est la découverte de l'écriture négro-africaine. Le prophète Jérémie l'avait dit, c'est la faute des dirigeants. Ils ont été stupides, ils n'ont pas consulté les seigneurs, c'est pourquoi ils ont échoué. Et ceux dont ils avaient la charge sont tous dispersés. Le développement vit sous la relation horizontale. La religion est faite pour aider l'homme à vivre intensement dans le monde présent, dans le quotidien. Elle est faite pour lui donner l'amour de la vie. Sa mission est essentiellement spirituelle. Les progrès matériels n'étant pas sa préoccupation dominante. Sa mission est là où précisément le monde moderne montre son impuissance. Un monde qui creuse en l'homme une nostalgie qui ne sait guérir et dont elle ne peut tout au plus distraire. La correction apportée par Papa Simon Kimbangu, c'est de soutenir et de proclamer d'abord la primauté du spirituel sur le matériel, de manière à orienter les actions de l'homme mortel vers le bien. De ce fait, le maxime latin « mens sana in corpore sano », une âme saine dans un corps sain, reste un maxime universel qui doit être appliqué afin d'aider l'homme et l'accompagner dans ses efforts de survie sur terre. Sans une énumération exhaustive de toutes les réalisations kimbanguistes, on se limiterait à quelques exemples éloquents qu'on le trouve dans les trois pays où la religion kimbanguiste compte le plus nombre de fidèles, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola. En effet, dans ces trois pays, l'Église kimbanguiste a pris en charge, là où elle en a les moyens, les développements des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du développement rural et des œuvres sociales. Dans ces trois pays, nous avons érigé des temples, des bâtiments administratifs et scolaires, des hôpitaux, des centres médicaux, des dispensaires, des centres agricoles, des élevages, des centres sociaux, des centres d'accueil et j'en passe. On peut imaginer l'importance des ressources humaines mises au service de toutes ces réalisations, ainsi que leur apport dans le développement social, économique et culturel de ce pays. La tâche de l'Église est d'autant plus facilitée que toutes ces réalisations sont l'œuvre des croyants, qui, grâce aux enseignements du Papa Simon Kimbangu, ont un sens aigu du bien communautaire. Leur engagement et leur mobilisation sont enviés par ceux qui ont la charge du développement des nations, car les kimbanguistes ne s'éparpillent pas dans des considérations idéologiques qui divisent plus qu'ils ne rassemblent. Dans les pays en décomposition, seule la religion paraît à même d'insuffler encore un brin d'espoir pour l'avenir, à condition qu'elle soit indépendante, véridique et porteuse de spiritualité, telles que les bonnes mœurs soient de nouveau les règles de la conduite. La religion fondée par Papa Simon Kimbangu est aujourd'hui la seule religion d'origine et d'inspiration négro-africaine
qui a le mérite de concourir plus ou moins efficacement au développement de la société dans le sens qui convient. Le développement vit sous la relation verticale. Si la relation horizontale confère aux hommes la possibilité de remuer leurs intelligences aux fins du développement, tel qu'ils le pensent, la relation verticale, elle, lui impose de se référer à l'omniscience, à l'omnipotence de l'être suprême qui dispose tout et dispose de tout. Cette référence est d'autant plus nécessaire pour l'homme que tout ce qu'il pense, désire et fait n'est souvent pas inspiré de Dieu et donc n'apporte pas le développement qui apaise et qui édifie. L'actualité mondiale est pour là pour nous montrer la face tragique du développement voulu par l'homme. Exemple, on accorde le label pays développé aux nations qui ont une puissance militaire et donc le pouvoir de destruction considérable, à ceux qui ont construit un grand nombre d'asiles psychiatriques, à ceux qui font du mal un fonds de commerce et un jeu économique. Croyez-vous que le fabricant d'armes se satisfasse d'un monde en paix? N'est-il pas avantageux d'apprendre la chasteté et la fidélité au peuple que de lui apprendre des méthodes immorales au nom des libertés individuelles devant assurer sa protection contre les maladies sexuellement transmissibles? Et pourquoi s'évertue-t-on à lutter contre les maladies cardiovasculaires, les cancers et autres, tandis qu'en même temps, on ne cesse de gonfler les productions de tabac et d'alcool dans le monde? Est-ce bien cela le développement? Voilà quelques-unes des contradictions. Le développement doit être un enrichissement, un don béni et non une source supplémentaire d'ennui. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela sous-entend que tout enrichissement, tout développement qui est suivi de chagrin n'est pas de la volonté de Dieu, ou tout au moins, il a été détourné de son but initial. Allez les temps... à la conclusion, révérend, allez à la conclusion directement. Je vais passer directement à la conclusion. En guise de conclusion, traité du développement intégral de l'homme africain, tel que tracé par Papa Simon Kimbangu, revenait à chercher à comprendre la particularité d'une race dans sa prédestinée et à examiner son évolution historique à travers le prisme du complexe de puissance par laquelle l'homme terrestre tend à déterminer son développement. Sans désapprouver systématiquement la démarche de l'homme tendant à la recherche du bien-être, sachant que la miséricorde de Dieu se manifeste aussi instamment sur les enfants rebelles, Papa Simon Kimbangu nous recommande de distinguer ce qui édifie et ce qui n'édifie pas. Dieu ne se contredit pas quand il dit à l'homme « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est dire combien l'homme doit amender ses créations et c'est à quoi elles conduisent. Il est permis de se développer, mais il n'est pas permis de se développer au détriment des autres. Et moins encore de les empêcher de se développer en les dominant par la magie et les pratiques occultes. La leçon vaut pour les dominateurs. Quant aux dominés, aux Africains et cruellement aux Africains noirs, nous disons, la nécessité de satisfaire les désirs sensuels doit au préalable s'en référer à la dimension spirituelle de la vie, sans laquelle le développement ne demeurera qu'un rêve évanescent est porteur plus sûrement de misère que de bonheur. En définitive, la doctrine de Papa Simon Kimbangu prône que le développement ne réside pas essentiellement dans l'estimation et l'appréciation des données de la connaissance humaine, telles qu'elles se manifestent au milieu de nous, et dans l'acquisition aveugle et aveuglante. Le développement des peuples réside dans ce que nous appelons la recherche de l'inconnu, la recherche de Dieu, où sont enfouies les merveilles de la vérité, nos œuvres et créations parfaites de l'avenir. Je vais terminer, Président. Nous savons que les sujets spirituels se traitent toujours avec délicatesse, d'autant plus qu'ils touchent la sensibilité et le subconscient de l'homme. Sachant aussi que la religion n'a pas forcément besoin de formules mathématiques et de syntaxes savants qui plaisent au sens pour démontrer la vérité. Car finalement, comme dirait un philosophe, il n'y a aucune espèce de vérité dans aucune espèce d'apparence matérielle. Il s'agit simplement
de faire comprendre la nature du développement entreprendre sous une optique nouvelle et en faire comprendre qu'au-dessus de nous, il y a un guide, tant pour notre existence spirituelle que pour notre existence matérielle, sans lequel aucun développement n'est possible. Et ce guide, révérend, il y a une exigence. Et ce guide, nous le disons, nous le répétons, c'est Papa Simon Kimba. Je vous remercie. Nous avons des exigences et nous pensons que nous sommes obligés d'abréger certaines choses parce qu'il y a d'autres impératifs auxquels nous devons répondre. Bon, nous continuons par un témoignage très important lorsque nous parlons du développement, parce qu'il y a des indices aussi pour le développement que Papa Simon peut déjà nous montrer et accroître notre confiance que nous sommes capables de parvenir à ce développement intégral dans le cadre même de nos pays. Nous allons appeler un témoignage très important qui nous fortifie dans ce sens, c'est le témoignage de M. Mandombe. Papa Mandombe, Yaka, pour ça le témoignage. Ouais, c'est Mandombe. C'est plutôt M. David Wabela-Diopaye qui va témoigner. David Wabela-Diopaye est l'inventaire inspiré de l'écriture négro-africaine. Nous parlons d'un témoignage sur Mandombe qui est une écriture négro-africaine. Cette écriture a été inspirée par Papa Simon Kimbang, a été développée et maintenant a été reconnue dans le monde entier. Voilà, les Mandombe, c'est l'écriture négro-africaine, mais la personne qui l'a captée... Papa Wabeladio, avec l'écriture Mandombe, venez et présentez-vous à la tribune. Cette intervention du pasteur Matondo, que nous allons suivre à présent, un témoignage poignant sur l'écriture négro-africaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais d'abord commencer par remercier au nom du Centre de l'écriture négro-africaine notre très cher papa Simon Kimbangu qui continue à lutter pour la libération de l'homme noir et qui nous a révélé l'écriture négro-africaine. Mandombe, qui veut dire tout simplement écriture de noir pour les noirs à la manière des noirs. Nous adressons nos remerciements aussi à nos trois chers papas. Je cite Papa Kisolokele, Lukelo Char, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Dianguenda Kuntima, notre premier chef spirituel, pour l'encadrement dont nous avons bénéficié. Et nos remerciements vont tout droit à son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour la continuité de cet encadrement et pour avoir organisé cette conférence internationale qui est pour nous, au Centre d'écriture négro-africaine Mandombe, le coup d'envoi d'une nouvelle civilisation pour l'Afrique noire et sa diaspora. De cette occasion, nous déclarons à l'Assemblée ici présente
que l'Afrique noire a une culture puissante, je dis bien encore puissante, révélée par Papa Simon Kimbangu. Cette culture est un nouveau schéma de développement de la civilisation négro-africaine moderne. Distingués invités, frères et sœurs, les regards rétrospectifs sur l'histoire universelle nous montrent qu'au fil des âges, il est toujours des événements qui marquent le début d'une ère nouvelle dans la vie d'un peuple. L'avènement de l'écriture négro-africaine Mandombe en Afrique noire en ce début du troisième millénaire n'est pas moins d'une vision révolutionnaire et prospective qu'un signe de temps qui va certainement poser les jalons dans la dynamique de notre civilisation. En nous référant de Papa Kisolokele Charles Lukelo, qui est né à la date même d'ouverture de cette conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, permettez-moi de dire en criant, qui Kisolokele, l'écriture du peuple noir. L'écriture négro-africaine Mandombe découle d'une révélation que nous avons eue de Papa Simon Kimbangu et qui s'est concrétisée par le fait que nous avons vécu au cours de notre voyage de Kinshasa en Kamba. Notre témoignage s'articule autour de trois volets, à savoir, premièrement, nous allons vous parler de la révélation. Deuxièmement, nous allons vous parler de la découverte de cette écriture. Et troisièmement, nous allons vous parler des implications de cette écriture dans la science. Parce que nous avons découvert maintenant la technologie africaine à partir de cette écriture. Personne ne peut dire aujourd'hui le contraire. L'homme noir ou l'Afrique noire et sa diaspora a sa technologie. J'ai été plusieurs fois invité à l'INIKIN, à la faculté de polytechnique, à la faculté de sciences, à la faculté de droit, à la faculté de lettres. Le professeur ne cesse de témoigner que M. Wabelade, vous avez trouvé une science pour l'homme noir. Au sujet de notre premier volet, de la révélation, nous allons développer 7 points. Premier point, audition des cantiques, nous prions de nous rendre en Kamba. Deuxième point, apparition de Papa Simon Kimbangu, lié par des chaînes au cou, au bras et aux pieds, au parking Moulard, dans le véhicule devant nous transporter en Banzangungu. Troisième point, audition des cantiques kimbanguistes dans le ciel. Quatrième point, fait prodigieux d'être collé au sol avec la lampe tempête. Six, fuite d'une femme au village qui a tatoué Kalumueno. Et sept, vie d'un homme planant dans les airs de la cité sainte. J'explique. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1978, j'ai dormi dans ma chambre, j'étais à Kinshasa, sur l'avenue Nyanza, dans la zone de Kinshasa, au commune de Kinshasa, sur l'avenue Nyanza numéro 104. J'ai dormi dans ma chambre, j'étais à ce moment-là chrétien catholique, j'avais là 21 ans. J'ai entendu une voix dans mon profond sommeil qui me disait, David, Wenda Kunkamba, Unasambila, Wayobila, Salubaka Mdamda Kanda Diabandombe. David, allez en Kamba, allez prier, t'es béni dans la source sacrée, tu vas recevoir une mission pour la race noire. Je me suis réveillé au lit. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je dors encore. La même voix recommence encore, maintenant avec un ton autoritaire. David. Ce qui est intéressant pour moi, j'ai réveillé tout le monde dans la maison. Mes parents qui étaient dans la maison, tout le monde, même les amis,
pour leur dire voilà ce qu'ils sont en train de vivre. Tout le monde à la maison a tergiversé. Ils m'ont conseillé de rentrer, peut-être je faisais des cauchemars. Je dors encore, le même rêve revient. David, 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 allez en Kamba, allez prier, te baigner, tu vas recevoir une mission pour la race noire. Je me suis réveillé maintenant, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais maintenant peur. Puis après, les gens de la parcelle, les locataires, se sont réveillés et nous étions décidés, le jour suivant, d'aller en Kamba. Audition, apparition de Papa Simo Kimbangu lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds au parking Molar dans le véhicule devant nous transporter en Banzangungu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes arrivés au parking Molar, nous avons pris place à bord d'une camionnette et on attendait que les autres clients viennent remplir le véhicule. À notre grande surprise, ma tante qui m'avait accompagné et la femme de mon oncle voient assis à ma gauche Papa Simo Kimbangu lié par des chaînes au cou, aux bras et aux pieds. Ils n'ont pas pu supporter sa présence et ils ont crié, tout en fouillant le véhicule, en sortant rapidement du véhicule. Et ça a créé panique au niveau du parking Molar et le chauffeur nous a demandé de rentrer à la maison. Nous n'avons plus voyagé ces jours-là, nous étions rentrés à la maison. Audition des cantiques Kimbangis. Lorsque nous sommes arrivés en Banzangungu, parce que le jour suivant nous avons voyagé par train, notre chef de famille s'oppose. Il dit, nous ne sommes pas des Kimbangistes. Comment toi tu vas faire un rêve, on t'appelle en Kamba, nous sommes des catholiques. Moi je dis, mais j'ai fait un rêve. J'explique, l'oncle dit, non, si c'est comme ça, nous allons d'abord trouver le voyant. Et c'est comme ça, il était décidé que le jour suivant, on devait rentrer à Kinshasa, rencontrer le voyant pour qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Eh bien, à 4h du matin, j'ai réveillé les enfants de mon oncle. J'ai demandé à mes cousins de m'accompagner en Kamba. C'est ainsi, mes cousins m'avaient accompagné en Kamba. Et sur le long de la route, moi j'entendais des cantiques Kimbangis dans le ciel. J'avais entendu des cantiques tout au long de cette route. Le premier cantique que j'entendais, Alléluia, Wandongo, Kenu Ketalalako. Alléluia, Wandongo. Alléluia, Wandongo, Kenu Ketalalako. Le deuxième cantique que j'entendais, après ce cantique, Alléluia, Kembwanzambi. Alléluia, Seuso. Alléluia, Alléluia, Kembwanzambi. Alléluia, Seuso. Je disais à mes cousins que j'attends des cantiques qu'on est en train de chanter. Mais les cousins qui m'avaient accompagné, c'était des grands garçons, mais ils n'entendaient pas. Bon, on a marché. On arrive à l'entrée du village qu'on appelle Kimongo, parce qu'on partait à pied, et puis les cantiques se sont arrêtés. On a continué la route, on arrive plus loin, c'est là où j'ai parlé de faits prodigieux, vu d'une constellation des étoiles dans le ciel. On devait prier parce qu'il faisait 19h. On devait prier. Pendant que moi j'ai prié, à ma grande surprise, mon cousin me secoue aux épaules en me disant, Il y a David, regardez ce qui se passe au ciel. J'arrête la prière, je regarde au ciel, je vois toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit et ça formait un joli cercle. Et en dehors de ce cercle-là, il n'y avait aucune étoile qui traînait en dehors de ce cercle. Alors j'ai tout simplement dit, c'est un bon signe, continue la route. On a continué la route, on arrive dans le village Lumueno. C'est là où j'ai dit fait prodigieux d'être collé au sol avec la lampe tempête. J'arrive au village qui a tapé Lumueno, j'ai entendu la terre qui commençait à trembler. J'ai entendu dans le sous-sol des bourdonnements.
Moi, je croyais que c'était le début du séisme. Mes frères, ce que j'avais entendu ces jours-là, quand on dit que en 1960, les Belges entendaient des bruits, le bourdonnement de la terre, ils fouillaient en disant que hein, les maisons tombent. Moi, je confirme ça. Parce que ces jours-là, moi, j'ai entendu, mes chers frères, la terre qui faisait gou. Les cousins qui étaient avec moi, quand je disais que la terre tremble, et ils m'ont dit, la terre ne tremble pas. Donc, si les Belges l'ont déclaré, parce que les Noirs ne sentaient rien, mais les Belges disaient que les maisons tombent, la terre tremble, moi, votre frère, j'ai vécu ça. Bon, maintenant, quand la terre a cessé de trembler, à ma grande surprise, j'ai senti mes deux pieds collés au sol. Je ne pouvais plus partir. J'ai crié fort en disant, « Ma coule, quand ma belle, n'a pas eu aucun des miracles. » Oh, comment ?« Ma coule, quand ma belle, n'a pas eu aucun des. » Mes cousins sont venus de part et d'autre, ils ont commencé à tirer. À force de tirer, je commençais à avoir mal aux os. Je leur ai dit, laissez-moi, vous risquez de me casser les os. Les os. Mais qu'est-ce qui fait ça? Moi, je dis, je ne comprends rien. C'est un miracle. Qu'est-ce que j'ai senti, mes chers frères? J'ai senti sous mes pieds, on dirait qu'on a placé des ventouses. On dirait qu'on a placé la colle. Là où j'étais, mon cher, il n'y avait pas la boue. Ceux qui connaissent le village de Moueno, ou ce qui passe par là, un jour vous pouvez voir, c'est la terre argileuse. Mais je ne pouvais pas retirer les pieds du sol. Et puis, quelques temps après, la pluie commençait à menacer. Il y avait des tonnerres, des éclairs. La tempête, mes cousins m'ont dit, mais il y a David, Et c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer, parce qu'immédiatement, il a commencé à pleuvoir. Une forte pluie alors. Maintenant, nous sommes restés à cet endroit pour ne pas se cramponner sur ça. Après 5 heures du temps, les pieds quittent le sol sans aucun effort. Je tire les pieds comme ça, les pieds. Mais ma colosque est longue. Et c'est là qu'il est longue. J'ai dit à mes cousins, rentrons d'abord, parce qu'il se peut que Dieu ne veut plus qu'on arrive en camp. Mon cousin qui voulait maintenant prendre la lampe tempête que nous avons amenée, il sent que la lampe tempête est aussi collée au sol. Il dit, tiens, David, moi, il ne suis qu'un ami. C'est pas possible. Moi-même, je suis parti, j'ai tenté de tirer la lampe tempête de la terre, les réservoirs de pétrole est resté collé, soumis au sol. J'ai dit à mes cousins, ce que vous avez senti, si la lampe, c'est ce que je vivais sous mes pieds. Laissez la lampe, allons. Nous avons abandonné la lampe. Chemin de retour, je parle d'une fuite d'une femme au village qui a tatouqué le Moueno. C'est-à-dire, arrivé dans le village de Moueno, puisque nous étions complètement mouillés, les gens de ce village qui nous ont vu traverser le village, tous mouillés, sont venus nous voir, nous demander, mais pourquoi vous êtes mouillés comme ça? Et nous leur avons dit, nous venons de vivre un grand miracle dans votre contrée. Moi, je suis resté collé au sol, et la lampe tempête est restée collée au sol. On est même découragé. Nous rentrons pour aller expliquer ça à la qui m'a ponani. Elle a répondu, faites sortir cet homme du village, faites sortir cet homme du village. Puis après, il y a eu beaucoup de choses, mais on m'a conseillé de continuer la route, de ne plus rentrer, de ne pas rentrer en Bazangoumou, d'arriver plutôt en Kamba. Puis, on avait fait demi-tour. Vu d'un homme planant dans les airs de la cité sainte d'Nkamba. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque nous sommes arrivés maintenant en Kamba, chemin de retour, on arrive en Kamba, juste sur la route qui va jusqu'en Banzangoyo, à l'entrée d'Nkamba, il y a un panneau bien écrit Église Kimbangiste. Cité sainte. On arrive à cet endroit, il y a un village en face. C'est là où nous sortons. Et on a vu à partir de ce village, un homme qui était juste à l'entrée là-bas, qui était habillé en pantalon bleu, chemise blanche, manche longue. Et puis ce monsieur, immédiatement, il a commencé à marcher vers Nkamba. Nous, on le suivait derrière.
On arrive devant la maison de Weno. Plus loin, je vois ce monsieur qui va faire ses bras comme ça. Et puis, bam, il commence à voler, à planer dans l'espace. Moi, j'ai crié, t'es la moutarde, t'es le bosso. Le cousin qui était avec moi, oh, monsieur, tout le monde a été. Je dis, mais c'est pas possible. Mais moutouillé, on a zoken. Le monsieur volait, il volait, il volait, et il est allé tomber. Il est allé tomber devant les mausolées de la cité sainte. Il est allé tomber devant les mausolées de la cité sainte. Et de là, il n'a pas fait longtemps. Il n'a même pas fait 2 minutes du mausolée. Il est encore parti dans l'espace. Moi, je voyais de mes yeux comme ça. Il a traversé la forêt là d'Nkamba. Il est allé vers Mintinu. Il est descendu à l'école. Dans l'espace toujours. Il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'un camp. Ce que je suis en train de vous dire, mes chers frères, sans commentaire, c'est ce que mes yeux ont vu, c'est ce que mes oreilles ont entendu et c'est ce que mes bras ont touché. Il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'un camp, Charles Gisolokele. Et devant ces bâtiments, il commençait à faire des sons en longueur d'un bout à l'autre du bâtiment. C'est-à-dire, un seul saut suffit pour arriver de l'autre bout du bâtiment. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer. Un seul saut suffit pour rentrer de l'autre bout du bâtiment. Et puis, il faisait ça plusieurs fois. Et puis après, il est parti tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il est entré dans le firmament. De mes yeux comme ça, c'était un noir. Je n'avais pas vu sa figure parce qu'il était à distance. Mais je vous dis, mes frères, c'était un noir. Et à partir de ce jour-là, j'ai l'espoir que la victoire est certaine. J'ai parlé du deuxième volet, qui est le volet de la découverte. Je lui demandais d'aller en Kamba, se laver, se baigner, afin de recevoir une mission en faveur de la race noire. Et c'est ce qu'il a fait. La population, disons, la famille a protesté, mais par résistance, il a pris deux de ses cousins. Il est parti en Kamba. Et avant même qu'il n'arrive en Kamba, il a vécu des miracles. Juste à Molar, où il devait prendre le véhicule, les amener en Bazangangu. La tante, la femme de son oncle, a vu à côté de Wabela de Paille un homme enchaîné des bras au cou jusqu'aux pieds. Et de là, le chauffeur n'a pas voulu supporter cela et n'a pas transporté David Wabela de Paille et tout ce qui le suivait. Les jours suivants, ils ont pris le train pour aller en Banzangungu. Arrivé en Banzangungu, le chef de famille n'a pas voulu que David Wabela Diop puisse partir en Kamba parce qu'il disait non, nous devons voir un voyant pour tester si ce qu'il disait était vrai. Et bien évidemment, David Wabela Diop ne voulait pas que rentrer à Kinshasa. Il a tenu mordicus à arriver en Kamba. Et c'est pourquoi, à 5 heures du matin, ils ont quitté avec de ce que vous suivez. Pardon, il y a 4 points à lever ici. Premier point, l'observation du fait qu'il y ait le nid de briques sur lesquels nous avons découvert des éléments ayant la forme des chiffres 5 et 2. Et au deuxième point, nous allons parler de l'étude de ces deux éléments découverts sur le nid de briques qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles. Troisième point, Nous allons parler de l'étude de ces angles qui ont engendré différentes positions
nous ayant permis la codification équivalente aux consonnes dans l'écriture latine. Et quatrième point, nous allons parler de la découverte de ce que nous appelons les bisimba ou voyelles avec lesquelles nous pouvons émettre les sons. Ce n'est pas une conférence, mais je vais expliquer parce que nous avons organisé une exposition là-bas. Ceux qui veulent beaucoup avoir beaucoup d'éclaircissements sur notre culture peuvent passer dans la salle pour suivre l'exposé. Mais rapidement, je vais parler seulement comment. Mais avant que je puisse passer au tableau, je préfère d'abord vous dire comment je suis passé de la révélation à l'écriture. Après avoir été en Kamba, à mon retour, j'ai cherché à rencontrer le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Dengenda Kuntima. J'étais descendu ici, j'étais venu ici à Kinshasa. Je l'avais trouvé ici au centre d'accueil, c'était en 78. Ce jour-là, je suis venu trouver, on était en train de construire le mur du centre d'accueil. J'ai rencontré son éminence Dengenda, je lui ai raconté les différents miracles que nous avons vécu sur la route d'Nkamba. Quand j'ai raconté, son éminence Dengenda me dira, jeune homme, vous avez une grande mission. Les cantiques que vous entendez sur la route d'Nkamba, dans notre église, nous appelons ça des cantiques de promesses. C'est-à-dire, en vous sera réalisé quelques promesses. Et puis il ajoutera, moi, Dengenda Kuntima, j'étais dans les 5 continents du monde, je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est seulement dans la Bible où on nous parle de la femme de Lot qui était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. Et toi, tu es resté collé au sol sur la route d'Nkamba, cela prouve que vous avez une grande mission. Et puis, il m'a demandé si j'étais kimbanguiste. Moi, j'ai dit non, papa, je suis catholique. Il m'a dit, je ne te demande pas de te faire kimbanguiste, mais tu dois savoir dans quelle voie on t'a appelé. Et chaque fois, tu dois venir me voir pour me donner le compte rendu de tes prières. Parce qu'à partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Et puis après, il m'avait béni et nous étions rentrés. À la maison, j'ai commencé à faire maintenant des prières intenses. Après beaucoup de jours et de mois de prières, un certain jour, vers 9h30, je découvre que le mur de briques est composé de deux éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Vous avez le chiffre 5, vous avez le chiffre 2. C'est bon. Je peux isoler ça. C'est-à-dire en combinant ça, 5, oui, 2. Oh, d'accord. 2. 5, 2, 5, 2, 5. Voilà. Donc, tous les murs de briques au monde que nous voyons renferment des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Mais je ne pensais pas que c'est avec ces deux chiffres que je devais commencer ma mission. Voilà là où commence la révélation de l'écriture Mandom. Puisque j'étais en période de prière, je continue ma prière. J'arrive la nuit, je dors. Dans les profonds sommeils,